coach. Bonjour, je suis content que vous êtes ici pour entendre votre analyse du match. Avec grand plaisir. On est tombé sur une belle équipe, hein, de Dender, comme on s'y attendait, qui est intraitable à domicile, avec des individualités offensives qui ne pardonnent pas quand on leur laisse beaucoup de liberté. La preuve en est, c'est que sur les deux premières pertes de balles importantes en plein axe, nous font très mal parce qu'elles débouchent sur des occasions bien concrètes et avec une finition des plus efficaces de la part de Dender. Donc voilà, on était prévenus, mais cette première mi-temps nous fait vraiment mal parce qu'effectivement on est passé au travers notre première mi-temps. Maintenant qu'on a un projet de jeu basé sur la possession, on sait très bien que l'équilibre il est très, très mis en danger quand on fait des pertes de balles importantes dans certains secteurs. Et ça a été le cas, notamment ben voilà, ses premiers buts, une perte de balle plein axe qui finit avec une superbe frappe de Valk. Voilà, c'est... Non, une belle équipe de Dender. Maintenant on a un peu de regret, un peu de frustration parce que même si on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais ce sentiment d'avoir la possession, mais de ne pas se créer grand chose, parce qu'après forcément Dender a géré leur avance en essayant de mettre des attaques rapides. Mais c'est tout à fait logique parce que voilà, il menait 3-0 à la mi-temps et dans cette série quand on prend déjà un but, c'est compliqué de revenir, mais alors quand on en prend 2 et 3, ça devient quasiment mission impossible. Mais voilà, le but juste avant la mi-temps nous a permis d'espérer, mais on va pas faire la fine bouche, on mérite cette défaite aujourd'hui à Dender. Et je souhaite à Dender la meilleure fin de saison possible et qu'il puisse accéder eh bien, au tour final, en espérant peut-être qu'on puisse les retrouver également au tour final en fin d'année, ce qui ferait des beaux matchs, parce que c'est toujours plaisant de jouer des équipes comme Dender dans un bon état d'esprit, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de tactiquement bien en place, donc des belles équipes à jouer, qui refusent donc pas le jeu, qui ressortent le ballon proprement. Mais bon, voilà, comme je l'avais dit dans la presse, je ne suis pas surpris avec un coach comme Dender A, avec l'expérience, le métier et puis les résultats qui sont là. Donc félicitations à votre coach et félicitations à toute l'équipe de Dender pour cette victoire. Merci beaucoup pour votre analyse très honnête. Ja, coach, welke lofbetuigingen van uw collega hier? Ja, dank u wel. Merci beaucoup pour... C'est sincère. Maar ik blijf erbij, ondanks dat wij gewonnen hebben, dat wij vandaag toch tegen een van de meest talentvolle ploegen hebben gespeeld. Voor mij is Olympique een ploeg die toch veel individueel talent heeft. Ik had al gezien Gender, als we Gender gespeeld hebben. En wij wisten dat wij voor een zwaar vierluik stonden. Thuis Olympique, dan naar Luik volgende week, dan Tess en dan naar Knokken. Dus drie uitwedstrijden. Dus we moesten zeker proberen te beginnen met een overwinning. Natuurlijk, we starten enorm goed. Hè. Je scoort vroeg. Dat opent mogelijkheden. Hè. Als wij kunnen voorkomen, zijn we een van de gevaarlijkste ploegen in de reeks. En ik moet zeggen dat wij nu momenten nog kans hadden om te scoren. Maar ik was wel toch wel lastig op het tegendoelpunt dat we nog pakken, juist voor de rust. Omdat ik weet, als Olympique de tweede helft buiten komt en ze kunnen dat eerste kwartier een tweede doelpunt, dan is het die bibberen en knokken tot de laatste minuten. Maar ik moet zeggen dat wij, ik denk dat wij een minuut of 10, 12 moeilijk hebben gehad en dat wij daarna de wedstrijd echt volwassen hebben uitgespeeld. Ja, de beste kansen in de tweede helft waren nog voor hen. Ja, we hebben weinig toegepakt. Onze keeper heeft niet spectaculaire reddingen moeten doen. En ik moet ook zeggen dat de jongens die ingekomen zijn zich effectief gepresenteerd hebben als volwaardige spelers, wat ik ook verlang van hen. Dus voor ons is dat een schitterend weekend. Onze belofte hebben we gisteren gewonnen met 2-3 op Olympique voor de leidersplaats. Wij willen vandaag met 3-1 tegen Olympique om toch onze status te bestendigen en ons klassement te bestendigen op weg naar de eindronde. Ja, we gaan even...